Vous allez analyser le truc à la maison. Parce que c'est genre carcondalement les enfants à partir de maintenant. Oh! Aïe, aïe, aïe. Yeah. Ah. Ah là là, ce petit chien. Hop là! Alors, je regarde un petit peu. Voilà ça, parce que j'ai besoin d'une terme cette fois-ci. Oh non, hein? La madame qui... Ah ouais, ben envoyez-moi la madame qui fait semblant de rire. Allez, vas-y. Celle qui essaye de se cacher, justement. Allez, je te filme. Je te filme. Je te filme. Je te filme. Allez, vas-y, vas-y, je te filme. Madame, bonjour, vous vous appelez comment? Attention, on laisse passer madame. C'est la plus petite de tous. Enchantée, madame. Votre prénom? Vanessa, enchantée. Oh, Vanessa, dude. C'est vous qui avez choisi ce prénom? Oh, vous m'avez fait peur. Mais bon, vous ne tracassez pas, ça verra la mode. Hein. Alors, Vanessa. Vanessa, ici, j'ai... Est-ce que vous savez ce que c'est l'amour? En même temps, elle est blonde. Non, ça va, je plaisante. C'est pour ça que j'ai pris, il ne fallait pas quelqu'un de trop intelligent pour ça. Alors madame, regardez bien. J'ai ici des bouts de ficelle. Je vous explique ce qui va se passer. Vanessa, tu m'as mort plus trop d'autres choses. Alors, regardez bien d'un côté comme de l'autre, il y a un grand trou. C'est bien. Alors, les enfants, c'est une collecteuse. C'était monsieur le curé qui s'en servait. Et madame, oups. On va essayer un miracle. Il paraît que cette collecteuse, elle nous permet de retourner en arrière dans le temps. Elle nous fait des miracles. Vous en changeriez, vous, des choses, si on pouvait retourner en arrière dans le temps? Oui, la couleur de vos cheveux, oui. Mais mis à part ça. Le plaisantez. Voilà ça. Alors, il y a un grand trou, on va essayer, parce que j'ai fait une grosse bêtise. Les enfants, j'ai coupé une corde que je ne pouvais pas. Cette corde, il paraît qu'elle pouvait me porter bonheur. Maintenant, à cause de ça, elle me porte... Malheur. Parce que je l'ai abîmée, Vanessa. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de prendre deux bouts de ficelle, n'importe lesquels. Et je vais vous demander de les mettre bout à bout pour montrer aux enfants que d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de clips, pas de bouton, ça ne colle pas, allez-y. Est-ce que ça tient ensemble, madame? Non, pas du tout. J'ai mis du papier collant pour ne pas que ça s'effiloche, d'accord? Mais ça ne colle pas. On va essayer de préparer tout ça, mettez ça dans la collecteuse. Super. On met tout dedans. Ça vous fait rire, ça? Oui! Un peu de mini-beul! Allez, Vanessa! Alors, attention, je vais vous demander de passer la main tout doucement par au-dessus. Tout doucement, essayez de ressentir quelque chose. Tout doucement, bien à plat, ta main. Bien à plat, donc je me laisse la main tendue. On laisse la main tendue, comme ça. Comme ça. Voilà. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Non, attendez, oh! Non, je ne parlais pas de ça, hein. Vous sentez quelque chose? Rien? Vous ne sentez rien? Comme d'habitude, quoi. Passez la main par en dessous. Bien à plat, s'il vous plaît. Vous ne sentez rien non plus? Il va falloir plonger la main, Vanessa, tout doucement. Essayez de bien attraper la pointe, d'accord? Allez-y doucement. Doucement. Doucement, doucement, ça va vite. Allez, faire plonger. J'aime le rang. Vanessa. Elle a eu peur, hein? On s'est pas fait pipi dessus. Allez, attention. Vanessa, est-ce qu'il y a des choses que vous ne voudriez pas toucher? Vaut mieux que je le sache d'avance. Oui, il y a des choses que vous n'aimez pas. Comme quoi? Oui, mais ça c'est grand ça. Mais quelque chose de plus petit, des choses que vous n'avez peur de rien sinon. Oui, les insectes, bien sûr, mais des trucs un peu plus gluants par exemple. Vous aimez ça? Tout ce qui est gluant, vous n'aimez pas? On est mal parti. Les limaces, les crapauds, les... Une petite baguette magique si vous voulez. Une baguette à résoudre les problèmes de baguette. Non, je plaisante, c'est pour les enfants. Les baguettes. Alors passez la main tout doucement par au-dessus. Vous sentez toujours rien? Passez la main tout doucement par en dessous et à un moment donné, vous vous arrêtez. Stop! Est-ce que vous voyez la petite tirette? On va y aller ensemble, Vanessa. On va aller toucher la tirette ensemble. Tendez bien la main, bien à plate la main. On va aller toucher ensemble. Vous allez me dire si vous sentez quelque chose. Attention à trois. Vanessa, un, deux, trois. Hop! Vous avez senti la tirette?
vous voyez que vous avez senti quelque chose. Alors regardez bien, vous allez tapoter avec vos doigts ici, regardez bien ce qui va sortir. Attention à vos doigts. Ah ben... Quoi Vanessa. C'est une petite en plastique. Vanessa, elle arrête de pleurer. Allez Vanessa, on y retourne. Venez, 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 venez. Attention, à trois, vous plongez la main. Chut, Vanessa, on va regarder si elle a réussi à réparer la corde. Allez-y, prenez la corde. Allez, on plonge, on perd pas de temps, on perd pas de temps. Allez-y, d'un coup, sec, sans avoir peur. Voilà. Est-ce que la corde est réparée, les enfants? Ah oui, vous avez oublié de souffler. Remettez-le dedans. Allez-y. Soufflez. Non, pas cracher. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Attends, on descend tout doucement. Essayez d'attraper la pointe de la ficelle. On va y arriver si elle est réparée. C'est ta maman, hein? Doucement. Qu'est-ce que vous sentez? C'était comment, Vanessa? C'était poilu? Est-ce que c'était doux? Est-ce que c'était chaud? Est-ce que c'était surprenant? Oui? Saisissant. Chaud, poilu, surprenant, saisissant, c'était moi, Vanessa. Moi, je pense que ce que Vanessa elle a senti, les enfants, je vais vous le montrer. Je pense qu'elle a tout simplement senti une corde qui était totalement réparée. C'est totalement magique, parce que si vous regardez, elle est totalement solide. Prenez-la en main, s'il vous plaît, Vanessa, et tirez dessus. Voilà, avancez un tout petit peu pour ne pas tomber les trucs sur la table. C'est solide, c'est réparé. Vous voyez que votre souffle magique, il fonctionne. Maintenant, on va regarder qui est-ce qui a aidé Vanessa, d'accord? Allez, tous ensemble, voyez, allez bien. Il paraît que vous le connaissez, que vous l'avez déjà vu. Oh, oh là là. Vous connaissez Ratatouille, Rémi dans Ratatouille? Oh! Restez assis, restez assis, restez assis, les enfants, restez assis. Sinon, j'en vois tout le monde ici. Ok, mais j'aime bien. Bonjour. Oh là là! Heureusement que j'ai pas été. C'est un saut, là. Je récupère la corde. On peut applaudir Vanessa, s'il vous plaît.